Alors, bonjour à toutes et à tous. C'était vraiment une très belle vidéo qui nous a un peu résumé ce qui se passe un peu sur le continent africain en termes de candidature, d'appel à candidature, appel à film, etc. dans le domaine de l'art. Et nous rappelons On que... ne vous entend pas. Alors, est-ce que là, vous m'entendez? Parce que là, j'ai ouvert mon micro. Ça Vous marche. m'entendez? Si. Très bien. Alors, je vais finir par vous introduire et ensuite on réouvre les micros. Donc voilà, nous vous rappelons pour toutes et celles qui nous écoutent ce matin, d'après plusieurs fuseaux horaires aussi, que nous avons toutes les informations sur nosculture.info. Alors, ce matin, j'ai l'honneur en fait de présenter trois personnes qui ont des CV très inspirants. Je vais commencer par Monsieur Don Pico David Coney, qui n'y voit rien. Moi, je ne vous entends pas, je vous entends difficilement. Ça crache. Ça Vous crache. m'entendez? Oui, moi je vous entends très très bien. Je vous entends difficilement, ça crache. Pareil, je vous entends parfaitement. Alors, je vais commencer donc par présenter nos intervenants qui ont, comme je disais, un CV très intéressant, très inspirant. Je commence par Monsieur Don Pico David Coney, ivoirien. Donc, il est chef de la division de la culture, à la division de la culture, à la direction de la culture du tourisme, docteur en art du spectacle, chercheur et maître assistant des universités. Nous avons pour ce matin aussi Emeraude Kouka, congolais, qui est conseiller aux arts et aux lettres du ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs en République du Congo, et Mohamed Hamadi, comorien, qui est docteur en droit public, enseignant vacataire et attaché diplomatique de l'Union des Comores auprès de l'UNESCO. Alors, pour vous rappeler, pour ceux qui sont avec nous ce matin et pour ceux qui vont tout aussi... pouvoir regarder ce live par la suite. Notre sujet de ce matin, c'est l'intégration multisectorielle dans les ministères de la culture. Quel impact sur la politique culturelle des États? Bien évidemment, on peut aussi se demander si nous avons une politique ou des politiques en Afrique. Quel serait l'impact de son absence ou de sa présence? Nous avons remarqué que il y a beaucoup de pays qui ont choisi de ne pas traiter juste la culture dans leur ministère, mais bien d'autres sujets tels que le tourisme, les industries, etc. Alors, moi, ce que je vous propose pour commencer, un petit tour de table pour vous présenter. Je sais que je vous ai présenté vraiment brièvement, mais vos CV sont très impressionnants et inspirants, comme je le disais, mais le temps presse un peu. À chaque fois qu'un de vous présentera la parole pourra se présenter aussi. Donc, pour commencer, l'institutionnalisation de la culture, quel serait, à votre avis, son enjeu et son intérêt? Mais bien évidemment, avant tout cela, on peut, si vous voulez, dans chacun de vos pays, dresser un diagnostic sur l'état des politiques culturelles aujourd'hui. Voilà. Donc, nous allons commencer par Monsieur Don Pico David Coney. À vous la parole. Merci, madame. Alors, je veux bien comprendre, c'est juste la présentation ou... Alors nous allons Oui. parler de l'institutionnalisation de la culture, Oh. quels seraient ses enjeux et son intérêt? Merci. Alors, je suis Donico David Koné, je suis ivoirien. Comme elle a si bien dit, j'ai... Je suis professionnel de l'action culturelle et chef de division culture à la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Mais bien avant, j'ai eu le privilège de pouvoir travailler au ministère de la Culture, donc en institution centrale. Et également, j'ai eu le privilège de travailler en institution décentralisée dans une mairie, précisément la mairie de Yopougon, où j'ai passé 10 ans au service culturel.
Et après cela, je suis à présent à l'UEMOA. Et durant tout ce parcours, j'ai travaillé de façon générale sur la mise en œuvre de projets culturels, de politiques culturelles. Alors, parlant de politique culturelle, de l'institutionnalisation de la politique culturelle, nous pouvons relever que pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il y a bien entendu un document de politique culturelle qui est mis en œuvre, mais il est aussi important de relever que l'existence d'un document de politique culturelle ne veut pas forcément dire mise en œuvre d'une politique culturelle. Il y a beaucoup plus d'actions qui sont mises en œuvre, qui se trouvent souvent pas forcément inscrites dans la politique culturelle, mais nous pouvons retenir qu'il est important pour le développement du secteur de la culture d'avoir une politique culturelle bien élaborée, consensuelle et surtout qui prenne en compte les préoccupations des acteurs et en plus qui s'inscrit dans le processus de développement global du pays. Et sur ces aspects, il est important de relever que très souvent, le secteur de la culture n'est pas suffisamment pris en compte dans le processus de développement local général, du moins, alors qu'il faut reconnaître que le secteur de la culture est un secteur catalyseur qui intervient ou qui peut contribuer au développement global. Voici donc les quelques mots d'introduction que je voulais dire sur l'institutionnalisation de la politique culturelle. Et pour terminer, dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, le secteur de la culture a été pris en compte par l'institutionnalisation d'un ministère de la culture à partir des années 1960, à partir de 1971 précisément, où le ministère de la culture a été créé. Mais en même temps, nous revenons là-dessus, le ministère a connu beaucoup de rattachements, beaucoup d'associations, beaucoup d'intégrations avec d'autres secteurs qui ont par moments perturbé le bon déroulement ou la mise en œuvre de la politique culturelle. Je voudrais m'arrêter là pour le moment avec mon intervention. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur David Koné. C'était un plaisir de vous écouter et d'avoir un peu votre point de vue et la réalité de la Côte d'Ivoire. Mohamed Hamad, Comorien, docteur en droit public, et j'ai bien envie de poser la question par rapport à justement cette institutionnalisation de la culture, mais d'un point de vue juridique, comment cela se fait, les gens, les enjeux. Et l'intérêt justement de l'institutionnalisation de la culture. Merci beaucoup, Madame. Je tiens d'abord à vous remercier de nous avoir donné ce privilège de nous exprimer. C'est pas évident quand on est chercheur, on est autant cloisonné dans notre univers de livres. Donc, avoir ce privilège de s'exprimer à l'échelle continentale et pourquoi pas à l'échelle mondiale, c'est un privilège. Donc, je vous remercie et je remercie l'ensemble des organisateurs pour cela. Alors, pour commencer, m'introduire, vous l'avez si joliment présenté. Je pense que je vais juste ajouter l'aspect que j'enseigne la culture, on va dire, la politique culturelle de l'Union de la France, articulée avec l'Union européenne, ici en France, et le droit de la culture. Donc, un peu comme aspect. Auparavant, j'ai eu l'occasion de travailler au ministère de la Culture ici en France en tant que chargé de l'action patrimoniale en Afrique, dans la partie est de la France, donc dans ce qu'on appelle les directions régionales des affaires culturelles, le DRAC, communément connu. Et pour revenir à cette question d'institutionnalisation, mais avant d'attaquer cette question, j'aimerais juste préciser que ma thèse de doctorat a été articulée sur
c'est justement cette institutionnalisation du point de vue juridique entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales et nationales, en prenant le cas de mon pays. Visiblement, Charité Bien-Ordonnée commence par chez soi. Donc cette question d'institutionnalisation de point de vue juridique. Alors, du point de vue juridique, on peut dire tout simplement que cette institutionnalisation porte aux confusions, parce que quand on a un ministère de la culture, très souvent, ce que j'appelais dans mes recherches un ministère hybride, donc on a plusieurs secteurs, comme ça a été dit dans le titre, mais en vérité, le terme juridique technique, ça serait une compétence, donc une institution qui a énormément de compétences, donc compétences au niveau de la jeunesse, au niveau de l'emploi. Si je prends le cas des Comores, on a un ministère de la culture qui doit s'en occuper de l'emploi, de la jeunesse, de l'intégration professionnelle et de la culture à la fin. Ça porte vraiment confusion parce que on peut se demander finalement quelle est la compétence de cette institution. Et on a remarqué que là, avec Rijnstaker, avec l'équipe nationale de football, hein, il suffit juste qu'il y ait un match de foot pour que tout le budget part d'un coup, le budget alloué à ces institutions. Et donc, là, de point de vue consistance, ces ministères ne sont pas effectifs, tout simplement. Ils n'ont pas la capacité à mener des actions concrètes. Il a été dit par mon précédent collègue que il y a énormément de métamorphoses petit à petit qui nous poussent justement à se demander est-ce que au final on peut parler d'un ministère de la culture ou des ministères de la culture. Donc je préfère m'arrêter là pour le moment. Je sais pas quoi dire, mais comme on fait un tour de table, je préfère ne pas noyer nos internautes d'informations. On viendra petit à petit. Merci beaucoup. Merci beaucoup Merci. pour cette présentation, pour aussi avoir donné un peu des éléments juridiques par rapport aux compétences, aux diverses compétences des ministères qu'on peut leur allouer dans un pays ou un autre. Alors, nous avons aussi On Emeraude. a du mal, on a du mal à vous entendre. En tout cas, moi particulièrement, j'ai du mal à vous entendre. Alors, moi, je vous entends très bien. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a du mal à m'entendre? Moi, je vous entends très bien, ainsi que mon collègue ivoirien. Très bien. Alors, je vais vous demander aussi de fermer vos micros, comme ça on peut s'entendre. Donc, Emeraude Kouka, congolais, conseiller aux arts et aux lettres du ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs en République du Congo. Je vous demanderai justement de vous présenter un peu plus que ce que j'ai fait, parce que vu le temps, j'ai dû résumer vos CV et de nous donner un peu votre point de vue par rapport à l'institutionnalisation de la culture, ses enjeux et son intérêt. Votre micro est fermé, Émeraude. Émeraude, ok. Emeraude, votre micro est fermé. On ne vous entend pas. Ah, voilà, très bien. Ah non, ah, c'est bon. Parfait. Non, on ne vous entend pas. Emeraude, si vous pouvez juste cliquer une seule fois sur le micro. Voilà, c'est bon. C'est voilà. Alors, je disais tantôt que je suis Emeraude Kouka, conseiller au ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, précisément conseiller aux arts et aux lettres. Je m'occupe auprès de la ministre des questions littéraires et artistiques. Et à côté de ça, je suis également écrivain et critique d'art. Alors, sur l'institutionnalisation, parce que je vais aller directement de la culture au Congo, il y a tellement à dire, mais puisque c'est la première prise de parole et que le temps imparti est court, ce qu'il faut retenir, c'est d'abord le contexte dans lequel notre ministère intervient. Je parle de contexte, pas parce qu'il est nouveau, le ministère existe depuis les
années 60, donc c'est l'époque post-coloniale. C'est à partir du deuxième président de la République du Congo qui a connu 6 gouvernements, à partir de son 4e gouvernement, qu'on a eu. On a commencé à parler d'un ministère qui était chargé de la culture. Je dis chargé de la culture parce qu'il y avait déjà des ramifications avec l'espoir, avec la communication et d'autres domaines. Mais l'équipe à laquelle j'appartiens, donc la ministre avec qui je travaille, Mme Lydie Kombo, a été nommée fin septembre 2022. Et lorsqu'elle est nommée, juste avant ça, on avait d'un côté un ministère de la culture et des arts, et puis de l'autre, un ministère du tourisme et des loisirs. Et quand elle est nommée, on fait une jonction des deux ministères, ce qui donne ce nom quelque peu alambiqué de ministère de l'industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs. Alors pourquoi on en arrive là? À noter qu'il y a peut-être 10 ans de cela, la culture et le tourisme étaient déjà ensemble au niveau gouvernemental, qu'il y avait une scission des deux ministères. Bah, simplement parce que je crois qu'il y a une volonté gouvernementale de devoir donner une orientation nouvelle à la vie culturelle et à la vie touristique, et d'ailleurs le mot industrie. Au départ, il faut noter que la République du Congo compte pas beaucoup de richesses naturelles. Donc on a le pétrole, on a les ressources minières, phosphate, cuivre, bois, etc. Le gaz également. Et ça fait que l'économie congolaise s'est longtemps reposée sur ces ressources-là. Sauf que d'autres domaines ont quelque peu été, je ne vais pas dire délaissés, mais n'ont pas toujours été pris en compte dans la productivité du pays. Et donc ça fait que nous avons par exemple énormément de terres arables, alors que sur le plan de l'agriculture, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Ça fait qu'il y a tout un tas de domaines qui ne sont pas encore exploités de façon optimale, comme également les ports, puisque nous avons le fleuve Congo, nous avons à tout côté de Pointe Noire l'océan, mais il est vrai que de ce côté, là, il n'y a pas une productivité aussi grande que ça allait, par exemple, avec le pétrole, avec les ressources minières. Et donc, on a connu la récession de la COVID. Là, je crois qu'il y a eu une sorte de sonnette d'alarme qui a montré aux autorités qu'on ne pouvait pas compter uniquement sur les matières premières, sur la rente pétrolière, et que peut-être qu'il était finalement temps que l'on puisse diversifier notre économie. Et donc, c'est devenu le grand credo gouvernemental, la diversification de l'économie. Et cette diversification de l'économie passe par la prise en compte de divers secteurs. Et on a aussi compris, on en est arrivé à une prise de conscience que la culture pouvait avoir une valeur économique à travers le développement des industries culturelles et tout un tas d'autres choses autour. Et également que le tourisme pouvait nous aider également à renforcer le produit intérieur brut de l'État. Et c'est à partir, je crois, de cette intention que l'on passe au ministère de l'Industrie, culturelle, touristique, artistique et des loisirs. Mais après, la dénomination ne suffit pas. Ça pose aussi des questions sur les enjeux et les défis qu'on va finalement rencontrer sur le terrain. Parce que parler d'industrie culturelle, c'est bien. Parler d'industrie touristique, c'est aussi une chose. Mais après, pour en arriver à ce niveau-là, il va falloir qu'il y ait des en termes de structuration, en termes aussi d'éléments juridiques à apporter. Tout à l'heure, Mohamed en a parlé. Il y a pas mal d'aspects que je pourrais aborder probablement dans mes prochaines prises de parole, notamment sur la caducité des textes, leur applicabilité également, parce que sur le plan législatif, il y a pas mal de choses qui sont faites, mais parfois sur le plan réglementaire, ça ne suit pas. Et puis, il y a également des problèmes liés aux infrastructures, à la structuration du secteur privé, à la manière dont ça marche, et même aussi à nos rapports avec les professionnels du milieu de l'art et également du tourisme. Mais pour l'instant, je crois que j'en ai assez dit. Et au fil de la discussion, j'aborderai d'autres points. Parfait. Merci beaucoup. Alors, je vais en profiter pour passer justement à d'autres questionnements, parce que quand même, nous avons beaucoup. Et puis, je rappelle que si nous avons des questions de ceux ou de celles qui nous écoutent, nous avons une section commentaires où on leur consacrera les 10 dernières minutes pour répondre à leurs questions. Voilà.
Oui, donc nous avons eu un petit problème technique. Nous n'avons pas pu écouter très très bien Monsieur Emeraude, mais voilà, on va essayer de se rattraper aussi sur les autres questions. La remarque que j'avais faite tout à l'heure, c'est que justement dans plusieurs pays, nous avons des ministères multisectoriels, ou comme dirait Mohamed, qui répondent à plusieurs compétences. Tourisme, culture, sport, peut-être, parfois. Enfin, ça dépend aussi des pays. Donc, ma question, c'était quel serait l'impact de cette intégration multisectorielle par rapport aux compétences et par rapport aux actions sur le terrain, par rapport aux acteurs aussi culturels, par rapport à la mise en place et la mise en œuvre de la politique culturelle. Est-ce que ça, il y aurait un impact direct, indirect, à court terme, à moyen terme, à long terme? Parce que je pense qu'il faudrait aussi rappeler l'objectif des politiques culturelles tout d'abord et comment justement on pourrait faire en sorte de dépasser ces mailles du filet, à savoir que dans pratiquement tous les pays, et ça c'est vraiment une réalité qu'on ne se cache pas, c'est que la culture c'est un peu l'enfant pauvre des gouvernements, c'est vraiment le dernier des laissés. Donc à votre avis, comment justement, quel serait l'impact de cette intégration multisectorielle et pourquoi? Parce que quand on parle d'intégration multisectorielle ou de plusieurs compétences dans le même ministère, ça dénote aussi d'une politique, ça dénote d'une vision. Peut-être pas d'une vision, mais quand même, ça reste de la politique. Donc, j'inviterai. Est-ce que vous voulez qu'on garde le même. Bon, je le garderai. Alors, qu'en pensez-vous, monsieur Don Pico David Koné? Merci, Avec Nidal. plaisir. Et alors, avant de venir sur l'impact sur la politique culturelle, de l'intégration multisectorielle sur la politique culturelle, je voudrais faire quelques constats. Il faut voir que la mise en place des ministères de la culture, comme je l'ai dit déjà, c'est autour des années 70, de façon générale en Afrique, et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Et le ministère de la Culture s'est vu rattaché ou associé ou fusionné avec plusieurs autres ministères, notamment l'éducation, l'enseignement supérieur, le tourisme, le sport, la jeunesse, la communication. Il est important de relever que le rattachement du secteur de la culture à d'autres secteurs conduit souvent à la création soit de secrétariats ou de ministères délégués spécifiques au secteur de la culture, mais toujours rattachés à un ministère de plein droit. Il faut aussi observer que l'un des constats, c'est que quand on veut changer de gouvernement ou quand il y a un remaniement ministériel, il y a généralement toujours mouvement à la tête du ministère en charge de la culture. C'est aussi le constat qu'on fait que le ministère en charge de la culture est souvent attribué soit pour récompenser ou soit pour faire plaisir, pour faire participer l'opposition. Alors, tous ces constats posent la question fondamentale de l'importance de la culture dans nos États. Est-ce que la culture occupe vraiment la place qu'elle doit occuper? Est-ce que l'on établit véritablement un lien avec le développement global du pays? Alors, quand on observe ou quand on analyse ces interrogations, on se rend compte qu'effectivement, il y a une influence, un impact important de tous ces mouvements, de toutes ces associations ou de tous ces rattachements sur le développement culturel, sur les politiques culturelles. Il y a non seulement une perturbation de la vision de la politique culturelle face aux autres secteurs, au budget important, parce qu'il faut observer que quand la culture est rattachée aux autres secteurs,
Excusez-moi, ce sont des secteurs à fort budget, donc immédiatement, l'agriculture est mise sous l'éteignoir. Il y a donc une mise en marge de l'action culturelle au profit des autres secteurs. Il y a une déstabilisation du fonctionnement des institutions en charge de la culture et même du personnel du secteur de la culture. Et il y a une obstruction de la visibilité de l'apport du secteur de la culture au développement socio-économique. Et cela est très important. Et enfin, l'autre influence, c'est l'instabilité institutionnelle. Parce que pour qu'une institution soit forte, il faut qu'elle dure dans le temps, il faut qu'elle s'enracine davantage, mais le fait de toujours créer cette attitude de nomadisme avec la culture entraîne une instabilité et perturbe profondément la mise en œuvre de la politique culturelle. Voilà donc quelques influences, quelques impacts que je voulais relever en résumant la perturbation de la vision même de la politique culturelle quand elle est associée aux autres et la mise en marge de l'action culturelle, la déstabilisation du fonctionnement et même du personnel de la culture et sans oublier l'obstruction à la visibilité de la contribution de la culture au développement socio-économique. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Mohamed Hamad, par rapport justement à votre contexte, à votre expérience, vous parliez plus de compétences que de secteurs. Bien évidemment, ici, la terminologie diffère d'une discipline à une autre aussi. Mais quel serait l'impact, d'après vous, de cette intégration multisectorielle sur le terrain, sur les actions, sur la conception et la vision même de la politique culturelle. Merci beaucoup, Madame Nidal. Je peux me permettre de poser la question autrement, c'est-à-dire de Bien sûr. chercher à savoir pourquoi on est arrivé à ces impacts. Parce que, en vérité, tel qu'on prenne secteur ou compétence, la finalité revient à la même. On est en face des ministères qui sont extrêmement faibles, faibles dans tous les sens. Parce que, d'un, ils n'ont pas la capacité, ne serait-ce qu'à s'exporter à l'échelle de collectivités territoriales, pour rester dans mon univers que je maîtrise le mieux, la juridiction. Là, n'en parlons plus, à l'échelle transfrontalière ou tout simplement à l'échelle continentale. On sait tous qu'on est dans un système de l'Union africaine, qu'il faut rappeler au passage que l'Union africaine a reconnu la compétence culturelle avant l'Union européenne, parce que l'Union européenne, c'était lors du traité de Maastricht, donc on est dans les années 2000, donc 1999, mais que l'Union africaine a reconnu la culture comme étant une compétence dès 1976 avec la charte culturelle africaine. Donc, tout le monde le sait, a été signée à l'île Maurice. Donc, pourquoi nous sommes arrivés à ce stade où on a des ministères qui sont extrêmement fragiles? Du point de vue juridique, j'aimerais m'attarder un tout petit peu sur les institutions, en particulier la Constitution. Dans plusieurs constitutions du continent africain, les premières, en tout cas, les constitutions qu'on s'est appuyées pour prendre nos indépendances ou adopter juste après l'indépendance, n'ont pas reconnu la culture comme un droit. Je peux en citer beaucoup, pas mal d'exemples, mais si je prends ne serait-ce que le cas de mon pays, les Comores, l'État a reconnu être le garant de la culture, donc le droit de la culture, qu'en 2019, en 2018, pardon, avec une réforme constitutionnelle. Si je prends un autre exemple, je dirais, je prends juste au pif, mais la base, c'est de dire que les constitutions de base n'ont pas reconnu la culture comme une compétence, alors que on sait tous que
nos pères d'indépendance ont utilisé la culture comme cheval de bataille. Donc, on constate qu'avec le temps, il y a une forme de régression, donc de méconnaissance de la culture, en tout cas, ne serait-ce que reconnaître la culture au sens scientifique du terme. Mon collègue d'avant parlait de développement, parler de d'autres atouts liés à la culture, donc à l'atout économique, de développement, tout ça. Mais la vérité, c'est difficile d'en arriver là si la culture est appréhendée dans la plupart des cas comme un effet social, tout simplement, donc à l'aspect identitaire. Donc, si je veux revenir, pour ne pas trop m'éparpiller sur l'aspect constitutionnel, hein, je dirais que les premières constitutions ne couvrent pas le droit à la culture, du moins d'une manière explicite. Aux Comores, j'ai cité l'exemple. Si je prends la constitution burkinabé, par exemple, il faut attendre 1991 pour avoir le chapitre 4 de sa constitution, les droits et les devoirs sociaux de la culture. Je peux survoler en prenant la constitution de la Tunisie de 2014, dans son article 2, dans son article 8, alinéa 2, qui reconnaît également la culture comme un droit, le citoyen a un droit à la culture. Je peux continuer ainsi en prenant le cas du pays de mon collègue Koné sur de la Côte d'Ivoire, que dans sa constitution, c'est son article 7, dans sa constitution de 2016, je prends référence, qui justement assoit cette culture au sens juridique du terme. Alors, quand on met tout ça au même endroit, les constitutions du continent africain commencent à reconnaître la culture comme un droit qu'à partir des années 2000, on va dire. Donc, globalement. Et donc, qu'est-ce que cela implique? Cela implique qu'on a des ministères, qu'on les attribue des compétences qui ne sont même pas reconnues par l'État d'entrée. Et donc, par conséquent, ces ministères-là deviennent des ministères fourre-tout, des ministères où on met tout. Tout ce qui ne va pas dans les autres ministères rentre systématiquement avec la culture. Et vous verrez qu'à la fin, cette intitularisation rallonge des ministères de la culture, de l'éducation, tout ça, la culture est tout le temps à la fin. Est-ce que le fait que ce soit à la fin, ça voudrait dire quelque chose? Je laisse nos internautes et mes collègues qui sont là de donner leur opinion. Pourquoi la culture est tout le temps à la fin de ces intitulés? Et donc, ce qui fait que du moment où la culture n'est pas un droit et que cette reconnaissance est en cours de légitimité, ce qui nous fait tomber sur l'institutionnalisation même de la culture. Alors, très souvent, il y a trois cas d'institutionnalisation. Le cas où on a un ministère, ce que j'appelais dans mes recherches, un ministère hybride. Pourquoi hybride plutôt que sectoriel? Parce que le mot hybride voudrait dire plusieurs compétences qui n'ont rien à voir les uns des autres. Donc, culture, emploi, intégration sociale, jeunesse. Est-ce que tout ça, ça a une corrélation? Est-ce que finalement, tout ça, c'est logique? Est-ce que tout ça, c'est cohérent? Libre à nos internautes de nous questionner encore davantage. Donc, on a les cas d'un ministère hybride. Donc, ça, je l'ai expliqué. Le cas de tutelle. Donc, généralement, on a un département, je pense que c'est ce que voulait dire mon collègue de Côte d'Ivoire. Hein. On a des cas de tutelle, donc on a un département de la culture, une division de la culture, une direction de la culture. Voilà, donc au sein d'un ministère lambda, au sein d'un ministère quelconque. Et en troisième cas, on a un ministère dédié, ce qui est vraiment le cas le plus rare, où on a un ministère dédié à la culture et à la communication, très souvent, où la culture et la communication. Donc, quand on conjugue tout ça, on peut tout simplement se demander, mais l'institutionnalisation déjà a failli dès le départ. Quelle institutionnalisation pour la culture, afin de permettre de mener des actions impactantes au niveau national, au niveau régional et au niveau continental? Si je prends par exemple le cas des Comores, ces institutions qui ne sont pas suffisamment équipées pour répondre ne serait-ce qu'à l'échelle territoriale, vous mettez la COI, la Commission de l'Océan Indien, juste à côté, ces actions n'arrivent pas à aller au-delà. Vous mettrez les communautés économiques régionales qui sont dans leur obsession d'asseoir leur action
du point de vue économique, donc c'est ce que nous dit le traité d'Abuja. Donc, ces communautés économiques régionales qui n'ont pas une politique culturelle en Afrique de l'Est, hein, parce qu'en Afrique de l'Ouest, le cas est complètement différent. L'UEMOA et la CEDEAO ont bel et bien une politique culturelle et des actions culturelles soutenues par ces deux communautés économiques régionales. Et quand on prend le cas de l'Union africaine, au sein de l'Union africaine, il y a une institution qui s'appelle la division de la culture. Donc, en gros, c'est la hiérarchie institutionnelle la plus basse dans l'institution de l'Union africaine. Et donc, la culture est affiliée à cette institutionnalisation hyper basse de la culture. Et donc, au fil et en aiguille, on se demande quel impact, pour revenir à votre question, peut avoir la culture lorsque d'entrée, elle est en cours de légitimité par la Constitution, lorsque de sortie, ces actions sont limitées par des institutions qui sont globalement concentrées que dans les capitales. C'est difficile d'avoir cette action culturelle publique qui sont difficilement ancrées dans une politique globale de l'État, n'en parlons plus politique régionale ou politique continentale. Donc, comment ces institutions-là peuvent avoir de l'impact? Donc, moi, c'est la question que je me pose. Du moment où les fondations ne sont pas cohérentes, c'est difficile même de parler d'impact, encore moins de parler des actions concrètes. Voilà, je m'arrête là pour ne pas trop monopoliser la parole et au plaisir de reprendre encore la parole. Vous l'aurez la parole, vous aurez encore la possibilité d'en parler. C'est vrai que c'est très intéressant. On est en train de voir un peu, disons, les similitudes sur le continent africain. Malheureusement, c'est pas des similitudes qui nous réjouissent beaucoup, surtout par rapport aux politiques culturelles, par rapport à cette multisectorialisation des ministères, par rapport à une politique culturelle ou des politiques culturelles qui ne semblent pas être vraiment très très claires dans leurs propos ou dans leur mise en place. Emerald Kouka, j'aimerais vous poser aussi la question par rapport au Congo. C'est-à-dire qu'on a vu un peu deux pays et ensuite je pourrais aussi vous rajouter un quatrième pays, pourquoi pas, mais c'est vraiment pour souligner le fait qu'on n'a pas de vision, hein. Mais Emerald Kouka au Congo, alors quel serait l'impact justement au Congo de cette intégration multisectorielle sur le terrain, sur les actions, sur les acteurs, comme je disais, à moyen à long terme, comment cela se fait au Congo? Alors, déjà, il faut comprendre que ça c'est une sorte de mea culpa que les politiques africains doivent se faire, et ceux du Congo en particulier. Il y a souvent eu des soucis en ce qui concerne le travail en interministériel. C'est-à-dire qu'il existe plusieurs secteurs comme ça qui se côtoient parce qu'ils sont collègues au gouvernement, mais qui ont du mal à travailler main dans la main, alors qu'il y a des ramifications entre eux qui nécessiteraient vraiment des actions conjointes. Et moi, je pense que la jonction au Congo du tourisme et de la culture est bénéfique parce que les grands piliers du tourisme congolais, au fond, ce qu'on devrait mettre en avant, et c'est un peu la politique qu'on essaie d'impulser nous, c'est un, le tourisme naturel, parce que le Congo a à peu près sur 70% de son territoire est fait de forêts, donc on a plusieurs aires protégées, des réserves de biosphère et des aires protégées avec une faune et une flore qui est encore très importante, puisqu'on appartient également au bassin du Congo qui constitue aujourd'hui un des poumons de la planète. Mais à côté de ça, on a également un tourisme mémoriel à promouvoir. Et ça suscite un certain nombre d'enjeux qui sont à la fois de l'ordre de la culture, mais aussi de l'ordre du tourisme. Je commencerai par exemple par parler des aires protégées. Bon, ça pose aussi des questions écologiques, parce que du fait aujourd'hui que nous ayons une grande flore, et il faut qu'on prenne aussi conscience, et je crois que c'est déjà le cas, que le tourisme de masse n'est peut-être pas ce qui est adapté.
Mais à côté du fait qu'il y a un contrôle sur le nombre de touristes qui fréquentent ces endroits qui sont visiblement toutes les façons reculées, il y a également la conscience qu'autour de ces aires protégées, on a des populations locales, on a des peuples autochtones qui ont un certain nombre d'us et coutumes, ont un certain nombre de traditions. Et donc, ici, le point de jonction, par exemple, entre la culture et le tourisme, c'est un, et même peut-être aussi un aspect écologique, mais qui ne fait pas partie de la dénomination de votre ministère, c'est préserver l'environnement. C'est d'un autre côté, permettre aux étrangers, donc aux touristes qui arrivent, de pouvoir voir nos aires protégées, les animaux qu'on ne trouve qu'au Congo, la nature qui est encore préservée chez nous, mais également avoir accès aux peuples autochtones, aux populations locales qui vivent autour. Je fais bien cette distinction pour montrer qu'il y a d'un côté les peuples bantous qui sont des ruraux, qui habitent autour des aires protégées, et puis d'un autre côté, ce que j'appelle peuples autochtones. C'est aujourd'hui l'acception juridique de ce peuple-là, sont en fait ce qu'on appelle en anthropologie les pygmées. Et donc, il y a des pygmées qui vivent autour des aires protégées du Congo et il y a d'autres ruraux. Et c'est des us et coutumes qui se croisent. Les pygmées ont toujours vécu dans la forêt et ont une façon de vivre qui est séculaire, ont beaucoup de choses à nous apprendre sur la nature. Autant c'est une partie de la population qui est juridiquement protégée, autant il y a sur le plan culturel aussi des mécanismes qu'on met en œuvre pour que ces peuples-là continuent à préserver leur culture et à nous apprendre des choses, pas que pour les touristes, mais également pour nous. Et bien entendu, ils font partie intégrante de la grande démographie du pays, et donc c'est tout à notre avantage. À côté de ça, l'autre point que j'ai soulevé, c'est le tourisme mémoriel. Pourquoi c'est important? Ben parce que le Congo a une histoire qui n'est pas suffisamment mise en avant. Le cas, par exemple, de Brazzaville. Déjà, le nom Brazzaville renvoie à Pierre Savornin de Brazzaville, français. Mais à côté de ça, Brazzaville, c'est aussi l'histoire de l'AEF, l'Afrique équatoriale française. C'est la ville qui a été la capitale de la France libre à l'époque coloniale, mais c'est également la ville dans laquelle on trouvait toutes les archives de l'AEF. Et donc aujourd'hui, si l'on veut se renseigner sur l'histoire de la première moitié du XXe siècle des peuples d'Afrique centrale, excepté peut-être la RDC qui a été colonisée par la Belgique, que ce soit donc le Tchad, la Centrafrique, le Gabon, la République du Congo et même le Cameroun, on trouvera des archives au Congo-Brazzaville. Mais dans l'entretien justement des archives, dans les mesures de mise en avant de cette histoire, il y a encore beaucoup qui reste à faire. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a pas de musée qui puisse rendre compte de cela. Bon, avec les archives nationales, on a quand même une réelle préservation de ce qu'étaient les archives de l'ex-AEF, qui aujourd'hui sont bien conservées, sont numérisées et ont un son. Mais il y a justement dans ce sens des efforts à faire. Et c'est bien que tourisme et culture à ce moment-là soient mises ensemble, c'est à la fois pour montrer quel est l'enjeu patrimonial de ces archives en l'occurrence, d'un côté, mais aussi que le Congo ayant l'exclusivité de ces archives pourrait attirer des chercheurs et d'autres personnes qui seraient curieuses. Ça, c'était le cas de Brazzaville, mais dans chacune des villes congolaises, dans chacun de nos centres urbains, il y a une histoire qui est liée à la fois à l'onomastique, donc les noms des villes, les noms des lieux. Mais également simplement aux faits qui ont marqué ces espaces. On a par exemple du côté de Pointe-Noire, qui est la capitale économique juste à côté, on a Luango, qui a été aussi un lieu de débarquement des esclaves pendant la traite négrière. Gorée est suffisamment connue au Sénégal, on connaît Ouidah, on connaît Elmina, mais le Congo est assez en retard, par exemple, dans la mise en avant de la baie de Luango comme lieu de débarquement des esclaves. Il y a d'autres aspects. Je parlerai également, par exemple, du chemin de fer Congo-Océan, qui est un chemin de fer qui a été construit par la société Spie-Batignolles à l'époque coloniale et construit complètement à la main parce qu'il n'y a pas eu de réels matériaux
tout cas mécanique, pour aider à la construction du chemin de fer Congo-Océan, et qui n'est pas qu'au Congo-Brazzaville, qui s'étend jusqu'à ce qu'est aujourd'hui le Tchad, jusqu'à ce qu'est aujourd'hui la Centrafrique. Et malheureusement, lorsqu'on regarde l'état de délabrement actuel du chemin de fer, et quand on a conscience que ça a quand même coûté à peu près 8000 morts à l'époque coloniale, que ça a fait des scandales au Parlement français, qu'il y a des écrivains comme André Gide qui ont écrit sur le Congo, qu'il y a des gens comme René Maran qui ont également constaté les injustices qui ont été causées. René Maran, premier prix Goncourt avec Batoila, premier prix Goncourt noir. On se rend compte qu'il y a évidemment des parcelles de notre histoire qui ne sont pas suffisamment mises en avant, et associer le tourisme et la culture peuvent aider à placer le curseur sur ces problèmes-là qui ne sont pas suffisamment remontés à la surface. Parce qu'encore une fois, je l'ai dit, un des soucis que nous avons souvent dans le travail gouvernemental, eh bien, c'est celui de l'interministériel. Les intérêts ne sont pas toujours perçus de la même manière. Associer la culture à l'enseignement peut par exemple aider en ce qui concerne l'éducation culturelle et artistique. Parce que là également, il y a pas mal de choses à faire. Au Congo, nous n'avons pas encore à ce stade des écoles qui pourraient réellement former des professionnels de l'art, des artistes. On a une école des beaux-arts, mais qui n'a pas formé les plus grands artistes, qui forment surtout des futurs profs de dessin et de musique au collège. Ceux qui sortent finalement de l'école d'art et qui pratiquent de l'art sont ceux qui sortent de l'école de peinture ou de photo, et qui, à proprement parler, malgré sa longue histoire, n'est pas une école au sens propre du terme. C'est surtout une association d'artistes qui reçoit une subvention du ministère de la Culture depuis des années, qui a formé pas mal d'artistes, mais qui n'a pas tous les moyens qu'aurait une école. On n'a pas de conservatoire, et petit à petit, quelques efforts sont en train d'être faits, mais je crois vraiment que le renforcement de travail, la mobilisation des efforts multisectoriels peuvent aider à aller plus loin. On l'a vu également au niveau de l'université. La littérature, par exemple, a toujours été enseignée au niveau de l'université Marien Ngouabi, qui était la seule grande université du pays avant l'université Denis Sassou Nguesso. On a à l'université Marien Ngouabi toujours eu un parcours littérature, la littérature anglophone, la littérature francophone, la littérature africaine. Mais depuis bientôt 5 ans, on a ouvert un parcours art qui permet désormais d'enseigner la musique, le théâtre, le cinéma. Mais là encore, il y a des failles, parce que ce sont des enseignements qui sont purement théoriques, et ça fait que voilà, on peut avoir une licence en cinéma et ne connaître que l'histoire du cinéma, et ne pas être apte de faire de la réalisation, de l'étalonnage, ou encore de devenir un acteur. Donc il y a des efforts à conjuguer, et je pense que justement ces intégrations multisectorielles peuvent pallier à un certain nombre de difficultés du travail interministériel. Et ça rejoint un peu ce qu'a dit également Mohamed Amadi quand il évoque le fait que les ministères soient faibles, parce que autant on a du mal à se projeter, à pouvoir se déployer en termes de travail, de compétences dans l'Interland. Donc ça pose un problème de décentralisation qui est resté grand depuis les indépendances. Autant la réalité, c'est qu'il y a aussi ce souci permanent de pouvoir toucher à d'autres secteurs d'activité qui ne relèvent pas de façon directe d'un ministère précis. Mais je crois qu'il y a encore des choses à dire, je ne vais pas caporaliser la parole. Alors, il y a beaucoup, beaucoup à dire. C'est très inspirant tout ce que vous dites. J'ai relevé beaucoup de termes qui se sont répétés, comme un ministère faible, comme il y a aussi l'enjeu patrimonial qui se rajoute, bien sûr, qui est intégré d'office à la politique culturelle. Il y a aussi le questionnement, est-ce qu'on intègre la culture à l'enseignement, à savoir qu'en Tunisie, juste après l'indépendance, nous avons rattaché les arts à l'éducation, mais c'était vraiment à l'éducation nationale qui était à cette époque-là obligatoire. Donc c'était vraiment aussi une des recommandations de l'UNESCO dans les années 60, de rattacher justement la culture à l'éducation. Et ça a toujours été... c'était les débuts, les prémices de l'intégration de l'enseignement à la culture et aux arts en Tunisie, d'où le fait que justement on a essayé de faire aussi une décentralisation. C'était aussi une recommandation de l'UNESCO. C'était pas du tout, ça ne venait pas d'une
d'une vision politique liée aux besoins de ce pays ou de ce continent. Et du coup, on est en train justement de vivre les répercussions. Parce que savoir que dans la Tunisie, moi, je me permets un peu de donner aussi un exemple de l'Afrique du Nord. Pour la Tunisie, nous n'avons jamais de ministère multisectoriel, c'est-à-dire que ça a toujours été un secrétariat des affaires culturelles ou un ministère des affaires culturelles. Donc, on a toujours baigné dans un seul secteur. Sauf que, comme vous l'avez très bien dit, ça reste quand même un secteur très faible, un ministère très faible et qui, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ne travaille pas en étroite collaboration avec d'autres ministères. Donc, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas donné d'autres compétences à part la culture et les arts à ce ministère, que forcément, c'est peut-être une idée qui pourrait faire avancer les choses. Non, pas du tout. Et là, j'en profite un peu pour dresser un peu le paysage des politiques culturelles en Afrique. Donc, on a les pays qui reposent sur des ministères multisectoriels, mais qui n'avancent pas non plus, qui se trouvent un peu éparpillés, surtout par rapport au budget, par rapport à la vision, etc. D'autres qui trouvent leur compte entre le tourisme et la culture, comme l'exemple que vient de nous expliquer Emeraude par rapport au Congo, qui permet justement un enjeu patrimonial, qui n'est pas des moindres non plus en Tunisie, hein, mais je reprendrai aussi ce que nous a dit alors Don Pico, David Coney. C'était vraiment imprégnant ce que vous avez dit. C'est qu'on peut avoir une politique culturelle écrite noir sur blanc, mais si elle n'est pas mise en œuvre par des actions, par des acteurs, ça ne sert à rien finalement. C'est-à-dire, on peut, enfin, je caricaturise aussi quand je dis ça ne sert à rien, mais finalement, on peut avoir un ministère qui semblerait être. Ne pas être multisectoriel, soit avoir une politique culturelle. C'est comme si on préparait une liste préétablie de ce qu'on devrait faire, mais cette liste, qui l'a préétablie justement ? Qui nous la souffle ou qui nous l'impose ? Ce serait bien aussi de se poser cette question, surtout que nous sommes un continent qui a été longtemps colonisé par plusieurs pays, pas que la France, hein. Donc, on voit aussi cet impact post-colonial que nous vivons jusqu'à aujourd'hui, que ce soit dans les juridictions. Je prends aussi l'exemple de la Tunisie. Nous avons beaucoup de lois héritées du colonisateur, que ce soit pendant la colonisation ou même de lois qui ne sont venues de ce nord, mais qui ne nous correspondent pas et qu'on vit jusqu'à aujourd'hui et qu'on fait un travail énorme pour les enlever et pour passer vraiment à des lois qui peut-être auraient un écho à nos peuples et à nos citoyens. Et là, je fais exprès de dire peuple et citoyen pour au moins avoir deux approches. Alors, deux approches complètement différentes, mais vraiment pour arriver aussi, c'est pour titiller le public qui peut-être nous écoute en live, parce qu'ils ont aussi la possibilité de nous poser des questions et on leur consacrera du temps si on a des questions. Donc, nous avons dressé Je vais essayer de répondre un tout petit peu par rapport à ce que vous venez de dire. Et je sais, je vous ai titillé aussi, je sais. Mais bon, allez-y, répondez. Comme déjà, ça, j'aurai un peu de temps pour juste clôturer avec les recommandations après. Allez-y. Excellent. Alors, je vais juste intervenir rapidement sur trois points. Le premier, c'est la question de est-ce qu'il faut avoir un ministère de la culture dédié ou est-ce qu'il faut avoir une politique culturelle sur mesure ? Je ne pense pas. Mieux vaut avoir des actions qui fonctionnent, des actions qui sont en place, qui de facto répond aux besoins de la population et attribue à quelque chose dans aujourd'hui l'EMC. Si on prend les chiffres de l'EMC, la culture, c'est plus de 12% du PIB mondial. Donc c'est énorme. Donc mieux vaut avoir quelque chose qui fonctionne plutôt que d'avoir des institutions, comme disait un certain Yves Meny, il parlait d'un mimétisme institutionnel. Un ministère dédié, ça serait peut-être de se dire qu'on fait comme la France, ou avoir un ministère comme disaient les Anglais, un ministère arm length, c'est-à-dire un ministère que l'État a décidé de donner à une autre institution public ou privé, justement, pour amener à bien ses actions. Mais la question, c'est pas celle-là.
Je pense qu'une politique culturelle n'est pas obligatoire. Avoir un ministère dédié n'est pas non plus obligatoire. Tant qu'on a réussi à répertorier les besoins existentiels, en tout cas du point de vue identitaire, social, économique, liés à la culture et au patrimoine, je dis bien à la culture parce que jusque-là, et c'est ce qui va conduire à mon deuxième point, l'idée du patrimoine. Le patrimoine, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas beaucoup dans le continent. Dès qu'on parle d'institutionnalisation, on parle systématiquement de la culture. Où placer le curseur patrimoine dans les actions culturelles publiques dans nos continents? Si je prends le cas, je suis à l'UNESCO en tant qu'attaché diplomatique de mon pays, dans cette institution qui nous envoie intempestivement énormément de recommandations, des conventions, des déclarations où on est obligé de suivre et qu'au final, aujourd'hui, l'Afrique est le continent le moins représenté en matière de patrimoine de l'humanité. Et tout ça parce que ce qu'il nous donne, ce que l'UNESCO nous donne, n'est pas forcément ce que on a, ce qu'on veut. Ça, c'est de un. Et puis après, pour finir, je dirais qu'en termes de juridiction, il serait d'une aberration de voir que la France, qui a un ministère dédié de la culture qu'à partir de 1959, à la personne de Malraux, et que derrière avait des actions culturelles qui propulsaient à la grandeur du pays. Si je prends le cas, parce que ayant articulé des recherches ou continué à faire des recherches sur une triple dimension institutionnelle de la culture et du patrimoine en particulier, je dirais que l'Union africaine n'a pas une institution dédiée au patrimoine. Donc, elle a un bras armé, ce qu'on appelle le CELTO, que sur la valorisation de la culture au sens sociologique et anthropologique du terme. Mais au sens scientifique du terme, le patrimoine n'existe pas. Donc, j'ai évoqué la division de la culture, mais la division de la culture ne prend pas en charge le patrimoine. Alors que Dieu seul sait au combien le continent est fourré du patrimoine de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'on dit c'est le berceau de l'humanité. Donc, il faut arrêter de nous dire qu'on n'a pas, comme l'aurait dit le président, un président français, qu'on n'a pas encore rentré dans l'histoire. Bon, bah, comme si l'histoire, c'est une maison où il faut rentrer et qu'avoir la légitimité de rentrer de par nos outils. Donc, ce n'est pas tant une institution, encore moins une politique. C'est une vision. C'est une vision. Il s'agit là d'une vision, d'une politique articulée à l'échelle globale. Aujourd'hui, on a pas mal de... Je vais m'arrêter là. Hein, on a pas mal de projets sur l'émergence. Et il suffit juste de s'amuser à lire ces projets sur l'émergence pour voir que la culture est consacrée grand maximum de paragraphes. Alors là, deux pages, ça serait vraiment ça serait vraiment excellentissime. Et dans tout ça, la culture n'y est pas. Et aujourd'hui, à l'UNESCO, tous les pays du continent font partie de l'UNESCO. Qu'est-ce qu'on arrive à en tirer de l'UNESCO? Très bonne question, déjà, comme ouverture. Ça nous donne voilà. Donc, pour dire que, je vais finir là-dessus, promis, c'est qu'en Afrique subsaharienne, je répertoriais en 2019, sur les 48 pays de l'Afrique subsaharienne, il n'y a que 11 qui ont une politique culturelle définie. Et à peu près... En 48, nous avons 11? Ouais, 11 politiques culturelles définies. Il y a sur l'ensemble des 48 pays. Et vous avez 12 qui sont en cours d'installation d'une politique culturelle. Donc, est-ce qu'un pays comme l'Afrique du Sud, qui arrive à bien valoriser son pays, est-ce que ils ont besoin d'une politique culturelle? Est-ce que le Sénégal, qui est pourtant le laboratoire institutionnel de la culture dans le continent africain, est-ce qu'elle a besoin d'une politique culturelle? Je ne sais pas. C'est pas tant la question. Et pour revenir à l'impact, je me suis rappelé, je m'arrêtais là, promis. Du moment où... Je me l'ai promis trois fois, Mohamed. Deux fois. Et du moment où on n'a pas des institutions qui sont suffisamment instituées, donc des questions internationales liées à la culture, comme la restitution des biens culturels et d'autres, il faut oublier, au fait. Voilà.
Donc, je m'arrête là tout en étant tout excité. Mais vraiment, merci. Je sais que le sujet nous passionne tous les quatre, je le sais. Je vais donner tout de suite la parole à Don Kipo, si vous voulez nous rajouter quelque chose. Et ensuite à Émeraude, il nous reste vraiment quelques minutes et j'aimerais juste donner la possibilité de répondre à une ou deux questions du public. Voilà. Merci, si vous le permettez, je voulais... comme nous allons vers la fin, je voulais juste faire quelques recommandations en la matière. Tout ce qui a été dit est bien intéressant et on constate que avoir un document de politique culturelle et ou avoir une politique culturelle n'est pas nécessairement une fin en soi, mais c'est de savoir exactement ce qu'on veut et aller dans ce sens-là pour le bonheur des populations et pour préserver notre patrimoine et notre mémoire. Et je voulais faire des recommandations, cinq principales recommandations. La première recommandation, il est important de pouvoir concevoir une politique culturelle consensuelle basée sur une vision commune. Ensuite, il est important de concevoir une politique culturelle en lien avec les autres secteurs de développement, puisque la culture peut catalyser l'ensemble des autres secteurs. Donc, dans la conception, il faut mettre la politique culturelle, le secteur de la culture, en étroite collaboration avec les autres secteurs, mais ne pas l'isoler. Et il faut un ancrage institutionnel fort qui puisse résister au rattachement, aux associations, aux autres secteurs. S'il y a un ancrage institutionnel fort, c'est clair que, quel que soit le rattachement ou le multisectoriel qui existe, elle peut résister. Et puis l'autre aspect, c'est donner une plus grande visibilité de la contribution du secteur de la culture au développement économique. Et particulièrement cela me tient à cœur parce que le secteur de la culture, c'est vrai, est notre identité, mais aussi elle peut, c'est un secteur qui produit des devises importantes. Il est important que cela soit montré aussi, parce que le secteur est négligé justement parce que l'impression est donnée que c'est un secteur qui n'est pas productif au plan économique, alors que le secteur de la culture, par sa double nature, est non seulement catalyseur, mais aussi est producteur de devises et peut contribuer à un impact économique. Il est important cela, que cela soit vu. Et là, cette recommandation vraiment s'adresse beaucoup plus aussi aux acteurs culturels qui ne donnent pas ou qui hésitent ou qui ont peur ou qui ne mettent pas à disposition les données dont ils possèdent. Comment le secteur peut être pris en compte si on ne met pas à la lumière ce que le secteur vaut? Donc, il est important que cette visibilité de la contribution de la culture soit également mise en avant. Et enfin, la dernière recommandation, c'est une émergence d'une société, c'est l'émergence d'une société civile culturelle forte. Là aussi, cela est très important. Il faut qu'il y ait une société civile forte qui n'est pas que dans les revendications, mais qui est dans la construction, qui est dans la préservation, qui est vraiment qui soit une force de proposition, et cela peut éviter ou combattre toutes les instabilités institutionnelles auxquelles le secteur fait face. Voilà donc les quelques recommandations qui pour moi sont vraiment importantes à mettre en œuvre pour davantage développer le secteur de la culture. Merci. Merci. Alors, je vais donner la possibilité à Émeraude Kouka de nous donner son avis, un dernier mot, une recommandation. Et ensuite, nous avons deux questions. On va vraiment essayer d'y répondre. Je vous proposerai que chacun prenne une question et pourrait répondre. Voilà. Donc, est-ce que Émeraude Kouka est avec nous? Oui, je suis là.
Alors, je fais déjà mien dans les contributions de David Koné et d'Amadi. En fait, la réalité est là, c'est qu'il ne suffit pas d'élaborer des stratégies, des politiques culturelles pour qu'elles soient réellement mises en œuvre. Pour moi qui travaille aux côtés d'une ministre, je vois tout un tas de problèmes ou de difficultés qui pourraient expliquer l'inefficacité des fameuses politiques culturelles. Évidemment, on a déjà pointé du doigt le fait que certaines recommandations peuvent venir de l'UNESCO ou de l'extérieur, mais il y a aussi des réalités qui sont endogènes, telles que par exemple la qualité du personnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une équipe ministérielle, on a un cabinet qui est l'administration centrale, et puis en dessous du cabinet, on a des administrations publiques et des établissements publics, qui sont en fait les organes techniques d'un ministère et qui apportent de la matière au cabinet pour que le ministre et son et ses experts, ses conseillers puissent mieux roder leur action. Ce qui se passe, c'est que malheureusement, dans pas mal de ministères, c'est le cas à la culture, c'est également le cas ailleurs, on souffre d'un problème de qualité du personnel. C'est-à-dire que les grandes formations scolaires et universitaires sont des formations standards sur l'administration. Même sur le droit, il n'y a pas de réelle spécialisation. C'est des juristes et généralistes sur l'économie, etc. Et donc, lorsque toutes ces personnes sont recrutées à la fonction publique, ben, en fait, quand la fonction publique les met à disposition d'un ministère, la fonction publique fait simplement un choix quantitatif. Il ne voit que le nombre de personnes qui vont dans un ministère en complément d'effectif. Mais après, il y a un problème de réorientation de ce personnel en fonction des qualités. Et donc, on ne sera pas étonné de voir que quelqu'un, je vais caricaturer, qui aurait par exemple une licence en chimie ou en pharmacie, par exemple, se retrouve dans un bureau de gestion de droits d'auteur, ou qu'un physicien se retrouve à la recherche des fouilles archéologiques sans réelle connaissance sur la paléontologie ou l'archéologie. Donc, il y a des problèmes comme ça qui sont rencontrés, qui expliquent aussi l'inefficacité. Il y a également, j'ai parlé au tout début de la caducité des textes juridiques. Les textes arrivent très souvent, mais on s'arrête sur le législatif. On oublie qu'après, il y a le réglementaire. La loi pose toujours un cadre général, mais après, pour l'applicabilité d'une loi, il faut qu'il y ait tout un tas de règlements qui suivent. Et très souvent, les décrets et tout le reste ne suivent pas. On a pondu une loi, et puis après, ça passe comme ça. Il y a un effet de communication, mais on ne va pas plus loin. Et donc, les projets structurants ne sont pas suivis jusqu'au bout. Ça aussi, ça fait que dans la structuration, dans le fonctionnel, il y a tout un tas de situations. Et pour ne pas être lent, je termine justement avec une recommandation. Il y a déjà des choses qui ont été dites, mais moi j'insiste sur l'aspect interministériel. David Koné parlait de politique culturelle consensuelle. Ça se joue à un niveau gouvernemental, je dirais même au niveau du Premier ministre, qui, dans le cas par exemple du Congo, est le chef du gouvernement parce qu'on a un système semi-présidentiel, hein, c'est un peu comme en France avec un président de la République qui a ses pouvoirs et un premier ministre qui est chef du gouvernement, simplement parce que au gouvernement, on ne parle pas toujours le même langage. Voyez-vous, vous et moi, on parle de culture. Nous connaissons l'impact de la culture. David Koné a parlé de la rentabilité de la culture qui est importante, mais qui n'est pas toujours très prise en compte ici. Mais qu'en est-il, par exemple, de nos amis qui sont au ministère du Plan, de nos amis du ministère des Finances, lorsque nous nous retrouvons en conférence budgétaire pour travailler sur les budgets de différents ministères et finalement de l'État? Il y a parfois des contradictions parce que vous, les culturels, vous évoquez tout un tas d'éléments sur l'économie de la culture, mais aussi sur les bénéfices, je vais dire d'un point de vue philosophique, d'un point de vue sociologique, de ce que la culture pourrait rapporter au pays. Mais en face, on a affaire à un agent du ministère du Plan ou de l'économie qui n'est vraiment que comptable, c'est-à-dire que lui ne parle que chiffres. Et donc, il va partir d'un constat, c'est que jusqu'ici, la culture n'a pas rapporté grand-chose au pays. Et donc, l'investissement qu'il va falloir faire dans le domaine culturel devra être proportionnel aux apports. Ce qu'on oublie, ce qui nous échappe, c'est que pour qu'il y ait retour sur investissement, justement, il faut avoir investi en amont. Et donc, comme on n'a pas suffisamment investi dans les infrastructures, dans la formation, dans la structuration de notre espace culturel, ben, les retombées sont difficiles à avoir. Et ça fait que cette sorte d'antinomie
dans les propos entre d'un côté les comptables fiefiés et puis de l'autre les défenseurs de la culture, on ne s'entend pas. Et même lorsqu'on dépasse le niveau de la conférence budgétaire, que les projets de budget sont validés en Conseil des ministres et que finalement ils arrivent au Parlement, là aussi il y a un vrai problème de compréhension. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les ministres de la culture qui défendent leurs projets et puis de l'autre on a des parlementaires qui ne saisissent pas forcément les enjeux de la culture et qui peuvent censurer un certain nombre d'éléments. Donc, il faut une action commune qui permettra à tout le monde d'avoir une même vision de la situation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais très bien, moi aussi, mais en fait, nous avons beaucoup de questions très intéressantes, chacune plus que l'autre. Et malheureusement, on n'aura pas la possibilité de répondre à tout. Alors, moi, je vais profiter de vous poser les questions des internautes et du public et vous me direz si vous êtes inspiré pour répondre à une question, donc vous pouvez noter si vous voulez. Donc, nous avons déjà la première question. Est-ce que pour remédier aux problèmes cités, les entrepreneurs culturels ne devraient pas créer des ponts pour mettre en lien les différents ministères qui cohabitent? Quelles seraient les meilleures initiatives pour que le ministère de la Culture prenne conscience de l'importance de favoriser des cohabitations? Voilà. C'est vraiment une réponse par personne et par question. Comme ça, on fait un peu plus vite. Parce qu'il est 12. Voilà. Qui aimerait répondre à cette question? Allez-y, Emeraude. Alors, oui, c'est une alternative, mais ça se fait un peu déjà, même si les actions peuvent mettre du temps à être visibles. Je vais prendre l'exemple du Congo-Brazzaville. Nous avons un bureau des droits d'auteur, donc, qui est un bureau qui fait de la gestion collective. Et il y a une remarque depuis toujours, c'est que les médias, notamment les médias d'État, ne payent pas leurs droits d'auteur. Et donc, c'est une revendication qui est essentiellement portée par les musiciens. Et les associations de musiciens ont eu à entreprendre des actions de rapprochement du ministre de la Culture et également du ministre en charge des médias pour qu'il y ait un pont qui soit créé et qu'une injonction soit faite aux médias, notamment, pour que nous ayons à la fois une fiche réelle des musiques qui sont diffusées, mais pas que la musique. La musique, ça a été le prétexte, mais également le cinéma et d'autres éléments de culture qui sont diffusés. Et donc, il y a déjà des actions comme ça envisagées par les associations et les entrepreneurs culturels, mais il faudrait que ça se fasse à un niveau beaucoup plus large pour qu'on ait des résultats plus concrets aussi. Alors, j'en profite, je fais vraiment vite hein, pour au moins lire toutes les questions. Alors, on nous dit, je vais lire la question, mais on y a répondu. David Connet a répondu. Au Bénin, par exemple, nous avons le ministère du Tourisme, de la Culture, des Arts. Et visiblement, on a l'impression que la priorité est beaucoup plus accordée au tourisme. N'est-ce pas parce que économiquement, le secteur du tourisme est plus efficace? Mais on a déjà répondu, il me semble bien. Je voulais quand même juste donner un élément entre l'association culture et tourisme. Particulièrement pour le cas du Bénin que je connais un peu de loin. En fait, c'est, le Bénin accorde une priorité au secteur du tourisme. Mais en fait, il faut comprendre que ces deux secteurs qui sont un peu complémentaires, la culture donne un contenu au tourisme. Parce que quand on parle du développement du secteur du tourisme, c'est pour s'appuyer sur le patrimoine culturel. Donc, la culture donne du contenu au tourisme. Et le tourisme donne de la visibilité à la culture. Parce qu'un touriste qui vient voir les monuments, qui vient voir les sites, bien entendu, il s'imprègne de la culture du pays. Donc, la culture, le tourisme donne de la visibilité au secteur de la culture. Voilà l'élément que je voulais dire sur cette question. Très bien, merci beaucoup. Alors, il nous reste une seule petite question du public. Alors, il est vraiment très tard. Est-ce que je peux reprendre juste à la première partie de la première question concernant le pont à effectuer entre les ministères? Je pense, mon humble avis, qu'il faut qu'on ait des institutions qui ont la capacité à être perçues comme étant pareilles.
que le ministère des Finances n'est pas au-delà du ministère de la Culture et que le ministère de la Culture n'est pas moins qu'un autre ministère. Donc, il faut réussir à avoir cette conscience qu'un ministère reste un ministère et qu'il n'y a pas un petit, un grand ministère. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Donc, on est arrivé vers la fin. Malheureusement, parce que c'était un sujet très, très intéressant, je remercie M. Donikipo, David Kone, M. Mohamed Hamadi, M. Emerald Kouka et toutes les personnes qui ont été là pour ce live, qui nous ont écoutés depuis le début jusqu'à la fin, qui ont posé leurs questions. Voilà, les échanges peuvent continuer dans les commentaires, on vient de me le dire, tout à fait. Les échanges peuvent continuer dans les commentaires, il y a encore des questions auxquelles on n'a pas encore posé, donc vous avez la possibilité de répondre et d'autres personnes, ils ont encore la possibilité de poser des questions. Je vous remercie beaucoup, j'espère à très bientôt, que ce soit en live, en vrai, dans un autre pays, qui sait. Au revoir et à très bientôt. Merci. Merci à chacun de vous. Merci, c'était un plaisir. Le plaisir est pour moi. Merci.